Salut les amis boxeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les middle kicks, une des techniques infaillibles en Muay Thai. Allez, c'est parti! Conseil numéro 1, les appuis, les jambes. Donc si on veut donner un bon middle, il faut être bien sur ses appuis, les jambes légèrement fléchies, en position de garde, les jambes légèrement écartées. Donc on sait qu'on est à bonne distance avec le jab. Et ensuite, on vient mettre un middle kick. Donc un middle kick, c'est un coup de pied circulaire qu'on donne avec le tibia. Et on va viser cette zone-là, dans les côtes. Et on frappe avec cette partie-là du tibia, la partie inférieure. Donc une fois qu'on est en bonne position, à bonne distance, on va monter le genou et on va pouvoir frapper, tout simplement. Le deuxième conseil, vous l'avez bien compris, c'est le pivot. Donc la puissance, il faut savoir, la puissance vient de la technique. Et la technique pour mettre un bon middle, ça vient des hanches. Et ça vient aussi du buste. Donc on n'est pas au foot, on ne fait pas une frappe comme ça. Le pied doit venir comme ça. C'est-à-dire qu'il frappe le sac à l'horizontale. Et pour ça, donc ça part des hanches, entraînez-vous à faire juste ça. Comme si vous, vous avez compris quoi. Comme si vous mangez un couscous. Et une fois qu'on a ce petit mouvement de bassin, vous venez là et là c'est... Troisième point, très très important, la jambe d'appui. Quand on va envoyer un middle, donc celle-ci, elle va pivoter. Alors il y a des mecs qui diront « Ouais, non, on doit pas décoller la jambe. » Vous pouvez pas faire autrement, si quelqu'un a une autre technique, il m'envoie une vidéo. Si on pivote pas la jambe, c'est votre genou qui va pivoter et il va casser. Donc, au moment où on donne un coup, le talon, il va passer devant, comme ça. Donc regardez bien la jambe. Pour la jambe, là où on frappe, elle revient toujours à son point de départ. C'est-à-dire, on est là, en garde, on frappe, elle revient au point de départ. Petite astuce supplémentaire, là on est sur un sac qui renvoie pas les coups, mais en combat, donc la main gauche ne doit pas quitter la tête. Elle reste là en garde. Celle-ci, on peut l'envoyer, ça nous aide à mettre le middle, comme ceci. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si ça t'a plu, fais pas ton crevard, abonne-toi, mets un pouce bleu, ça fait plaisir, je te remercie du fond du cœur. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, faites du sport et repoussez toujours vos limites. Allez.